Des réfrigérateurs pour bloquer l'accès, un site totalement désert et des conteneurs qui débordent. Aujourd'hui, les employés de la CIVAD bloquent totalement la déchetterie et les revendications des employés sont très claires. Nous bloquons aujourd'hui, c'est pour essentiellement la révision des carrières et pour la poursuite de l'exploitation. Nous avons une négociation de prévue à midi avec le président du CIVAD, le président de CapExcellence et ses quelques membres syndicaux. Pour débloquer la situation et trouver un accord, les employés se préparent à affronter l'administration du site. Pour cela, direction CapExcellence. Dans la plus grande salle de réunion, employés grévistes, élus locaux et directeurs se retrouvent autour d'une table pour trouver un accord, finalement trouvé après 2 heures de négociation. Oui, dès demain, il faut que ça reprenne. On ne peut pas laisser les déchets en suspens trop longtemps. Il faut, sous le plan de la sécurité sanitaire, mettre en place quelque chose dès demain. Pour les employés de la CIVAD et membres des syndicats, cette réunion est aussi une réussite. Alors concernant la décharge, nous devons rassurer les Guadeloupéens. Donc depuis à midi, nous mettons un service minimum en place qui a fonctionné, un service minimum très large. Et donc, pas ni pour souci à niveau de ça. Et nous, on va discuter, il n'y a pas de souci. La déchetterie est désormais réouverte, en service minimum, sous promesse de mettre en place les revendications des employés avant mars 2019.